vis-à-vis des prix de l'AMNH. D'abord, parce que je me rappelle chaque année, pour ceux qui n'étaient pas là l'année précédente, je le refais, c'est ma mutuelle. Puis, en général, vous sortez même votre carte de mutuelle à ce moment-là. Je l'ai là. Donc je suis heureux d'être là, heureux que la MNH soit sur le salon, heureux que la MNH participe à l'animation du salon de la santé et de l'autonomie, qu'on a pu reçoit avec Alexo, gérant du Parvignac Expo. Et je suis très heureux de passer quelques instants avec vous. Pas longtemps malheureusement, parce que je dois aller accueillir l'ambassadrice du Danemark qui a visité le salon dans quelques instants. Je suis très heureux donc que la MNH s'engage encore plus sur le terrain de la prise en charge des personnes handicapées, parce que c'est aussi un thème dont la FHF a fait une de ses priorités. Les personnes qui souhaitent consulter, le réseau organise ensuite son accès aux soins avec le dispositif d'accompagnement adapté pour un échange optimal entre le patient et le soignant. Ce réseau existant depuis une dizaine d'années a été reproduit en Bourgogne fin 2011. Et le lauréat, eh bien on va le découvrir en image tout de suite. Il y en a un pour un. Un réseau de santé qui couvre toute la région Nord-Pas-de-Calais, mais plus uniquement sur un seul hôpital. Ça se traduit par une prise en charge de consultation de médecine générale par un médecin qui pratique lui-même le langage des signes, et nous développons d'autres services, notamment par la mise à disposition d'interprètes qui vont accompagner les personnes sourdes lors de consultations de spécialistes ou bien même au décours d'une hospitalisation. Souvent, on a des professionnels de santé qui sont un peu perdus, désemparés, démunis, et prennent contact avec nous et demandent les modalités de prise en charge. L'objectif premier, c'est d'adapter l'information et la rendre accessible au public sourd. On sent qu'il y a une humanité, qu'il y a une dévotion, qu'il y a une forte empathie pour aider les autres et justement faire en sorte que tout le monde soit sur un pied d'égalité face à la maladie. Même si nous avons affaire à des populations soignantes ou médecins, le handicap continue à faire peur. Et donc il nous faut casser cette barrière, y compris auprès de ces populations, et nous pensons que la médiation est une bonne forme pour aider les soignants, mais aussi aider les personnes en situation de handicap à mieux se faire comprendre. L'objectif, c'est de permettre la communication entre le médecin et le patient, qui ont deux langues différentes, donc le français pour le médecin très souvent, et la langue des signes pour le patient. Et souvent, c'est une communication à sens unique, c'est-à-dire que alors qu'il arrive à s'exprimer oralement, il ne comprend que partiellement ce qui lui est dit. Tout le reste, c'est de la suppléance mentale, avec tous les malentendus d'informations qui sont imparfaitement comprises. Il ne faut jamais demander au professionnel de santé s'il a besoin d'un interprète pour une consultation en langue des signes. Il faut demander au sourd ce qu'il en pense, pas au professionnel de santé. Le professionnel de santé, il pense toujours que tout va bien. Parce que lui, il comprend. Dans le cadre du réseau Sourds et Santé, deux types de professionnels particuliers sont impliqués. Les interprètes français langue des signes, qui interprètent rigoureusement, fidèlement et de façon neutre d'une langue vers l'autre. Et on a également ce qu'on appelle des médiateurs ou des intermédiateurs, qui sont des collègues sourds, qui possèdent la langue des signes comme première langue, donc ils ont un degré de fluidité et de maîtrise de la langue qui est supérieur à celui que nous pouvons atteindre, et d'autre part, ils ont une connaissance de la culture des sourds et de là où un sourd ne pourrait ne pas comprendre. Et donc le médiateur, lui, va adapter le niveau du discours au niveau culturel et linguistique du sourd concerné. Le médiateur, il est important, en fait, il est là en soutien de l'interprète parce que l'interprète suit une déontologie, donc il est neutre, fidèle, et il y a aussi le secret professionnel, comme nous tous d'ailleurs. Mais parfois, il peut y avoir un malentendu, la personne sourde acquiesce, mais elle n'a pas compris. Et l'interprète ne peut pas intervenir, en fait, parce qu'il suit sa déontologie. Mais l'intermédiateur, il est là, il peut intervenir, il peut couper, reformuler, adapter le discours à la personne.
ceux qui font office de médiateurs chez nous sont des professionnels de santé, mais qui ont cette qualification en plus, parce qu'eux-mêmes ont un parcours de sourd et un degré de maîtrise de la langue des signes. Ils connaissent aussi la langue des signes dans toutes ses composantes lexicales anciennes, dialectales. Il y a une grande part d'humanité hein, dans tout ça, et après il y a aussi un amour de la langue. Ce qui est génial dans le quartier, c'est qu'on vit véritablement dans un petit laboratoire urbain qui mixe une architecture écologique et une architecture qui est ouverte justement à cette accessibilité pour tous. L'EHPAD Saint-François de Sales, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est créer un établissement qui permet de rassembler les sourds locuteurs de la langue des signes ensemble pour qu'ils aient un lien social, et aussi dans cet établissement qui est personnel, sourd lui-même. La nouvelle génération d'architectes essaie justement de penser à un design universel où, comme on peut le voir ici dans l'EHPAD, l'aménagement architectural intérieur est fait pour les gens qui sont le plus en difficulté. Et donc si ces gens en difficulté se sentent bien dans ce bâtiment, une personne non handicapée se sentira très bien également dans cette architecture. Et donc c'est ce design universel qui permet justement de vivre mieux ensemble et d'effacer nos différences. Je pense que ce serait intéressant qu'il y ait d'autres réseaux sourds et santé qui se créent ailleurs en France. Le problème, c'est la restriction budgétaire. Nous souhaitons développer plus généralement ce thème de l'accessibilité aux soins à tout type de handicap sur la base du rapport Jacob et sur la base de notre propre expérience dans le domaine des personnes sourdes.